Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, nous allons parler de deux sujets. D'abord, l'élimination de l'AS Vita Club et de Saint-Éloi Loupopo, presque dans les mêmes conditions au pays, aux interclubs de la CAF, bien évidemment, au niveau de la Coupe de la Confédération de la CAF. C'était dimanche dernier, presque au même moment. On va discuter de ce sujet, des contours, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne marche pas pour ces deux formations. Et tic-tac, tic-tac, la République démocratique du Congo s'apprête à donner le coup d'envoi de la prochaine édition de la Ligue nationale de football. Mais un club, un grand club du pays, le tout puissant Mazembe Englebert, est contraint de prêter ou de se débarrasser de ses nouvelles recrues. Mazembe devra faire avec ses anciens joueurs. Vous savez très bien que Mazembe a su libérer ses cadres, ses grands joueurs. Bien sûr, et puis d'autres joueurs ont été prêtés au niveau de CS Don Bosco. Ces quatre joueurs prêtés au niveau de Don Bosco vont retourner chez Mazembe pour évoluer cette saison. Et le 13 ou 14 joueurs recrutés cette saison vont devoir se trouver un refuge, peut-être chez Don Bosco, ou rester dans Mazembe pour ne se contenter que de Mazamiko. On va parler de ces deux situations qui ont bien évidemment marqué la semaine qui s'achève, en tout cas, avec ces numéros de Samedi Sport. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le chef coutumier est à sa place. Grâce à Kubama. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov. La place, vous n'allez pas le vendre. Ah non, jamais, jamais. On est là pour analyser en toute impartialité et surtout conjuguer sport dans cette émission qui nous dit toujours sport, Samedi Sport. Le journaliste n'a pas d'amis. Ah oui, hein, le journaliste n'a pas d'amis, n'a pas de famille, n'a pas de pays. Et donc, s'il faut dire la vérité, moi, je ne mettrai jamais ma langue dans ma poche, donc je les dirai toujours. On va le dire toujours, sans langue de bois, on l'a promis. Peut-être cette fois-ci, on sera encore beaucoup plus dans le détail et nous espérons que le supporter, le public, le grand public, surtout vous qui aimez Samedi Sport, vous allez comprendre bien sûr que nous faisons un travail, nous le faisons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté dans le but de vous servir. Patrick Bouéré, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir également Grace Diakoubama. Bonsoir Patrick. Bonsoir aux amis téléspectateurs qui nous suivent de partout. Encore un plaisir pour moi de me retrouver à vos côtés pour servir nos nombreux téléspectateurs qui justement suivent cette émission chaque samedi. Et je suis très très honoré encore une fois de plus de répondre à l'invitation. En forme ? En forme, à 50-50 je dirais. Tellement que c'est, vous avez appelé, je ne peux pas refuser. Et surtout quand je me retrouve ici, même si je suis malade, c'est comme une délivrance. Je me sens mieux. Maintenant, là, je suis en train de me sentir mieux. Pourtant, avant le début de l'émission, j'avais un peu mal. Donc, quand je parle sport, je me retrouve en fait. Je sens comme s'il y a quelque chose qui parle en moi et ça, c'est un plaisir. Nous espérons également que les téléspectateurs vont intercéder pour Patrick Bouéré. Question pour lui de retrouver sa forme, surtout le bon mot pour pouvoir analyser ce soir avec nous. Claudia Mangoula, on va se diriger vers lui pour parler, en tout cas, avec beaucoup de brièveté, de deux sujets que nous allons aborder ce soir. On le suit à travers cet élément et on se retrouve juste après. Le temps presse, les choses sérieuses sont à la porte de la saison. La situation reste compliquée pour les cadors congolais. Si pour 20 clubs, l'élimination fait mal avec un recrutement qui laisse des doutes pour la suite de la saison, Loupopo allume la flamme de la tension avec son effectif remanié qui n'a pas pu hausser les temps en Coupe de la Confédération. Même cause, même effet, élimination à la même compétition, même jour dans presque les mêmes circonstances, ça sent pas bon chez les Balambongo et les Cheminots. Qualification brillante en Ligue des Champions face à Red Arrow de la Zambie, les TP Mazembe est sur une note de mercato sans effet pour les débuts de la saison. Sous les coups de sanctions de la FIFA, Mazembe recevra l'autorisation d'enregistrer les nouvelles recrues début 2025. Une situation qui contraint les Corbeaux à prêter ses cadors à Don Bosco contre leur bon gré. Avec un effectif amoindri, Mazembe risque de surcharger ses athlètes, ce qui peut causer des blessures pour la période pré-hivernale. Est-ce bon comme nouvelle en ce début de saison? Nos analyses vous amènent les réponses.
Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons entrer dans le bain de nos sujets de la soirée, situation au sein de Vita Club et de Saint-Éloi Lupopo, de Lubumbashi, de formations qui ont perdu en tout cas les effets de leur tincelle au niveau de la Coupe de la Confédération. Grâce à Rubama, on va remonter juste deux ans, la RDC pouvait présenter quatre représentants au niveau de phase de groupe des interclubs de la CAF, deux en Ligue des Champions, deux en Coupe de la Confédération. Mais cette fois-ci, il y a eu de doutes et cela s'est concrétisé. V-Club, Lupopo sont tous partis. On va d'abord prendre le cas V-Club. Pourquoi ne pas diffuser le match? Peut-être pour attirer les supporters dans le stade, mais bien sûr que oui, on aimerait aller au stade. En fin de compte, pour aller voir quoi? Bon, je pense que c'était la politique du club, hein, comme vous l'aviez dit, c'est-à-dire attirer beaucoup de gens au stade pour venir encourager le joueur, parce que voilà, le prix de billet n'était pas plus, c'était à plus d'un dollar, quelque chose, et déjà quelques fans avaient répondu présents au stade de Martyrs pour pousser V-Club. Ils étaient en grand nombre. Si ça n'a plus été les habitudes de Vita Club. Non, mais bon. Mais c'était un grand nombre. Non, moi j'ai senti cette sensibilisation au courant de la semaine du match. Il y avait de V-Clubiens dans le quartier qui étaient vraiment motivés de voir V-Club à pouvoir renverser la tendance. Et chose qui n'est pas arrivée au stade de Martyrs, vous savez aussi. Avec le public congolais, avant d'abord de parler du club, avec le public congolais, on est toujours au stade, on supporte l'équipe, on chante. Avant le match, mais pendant le match, tout le monde reste silencieux et on observe comme l'entraîneur, on observe comme peut-être le président du club on a payé et ses les billets collaborateurs pour aller regarder au le match. Niveau de la tribune d'honneur. Donc tout le monde on se paye content. Les billets pour regarder les matchs. Mais ailleurs, c'est pas le cas. Lorsque vous allez au Maghreb, quand on siffle le coup d'envoi du match, ça chante comme pas possible jusqu'à la fin du match. Vous allez oublier que vous étiez en train de regarder un match de foot. Et contrairement peut-être ici en RDC où lorsqu'on donne le coup d'envoi, tout le monde devient observateur. On va se lever que lorsqu'il y aura but ou lorsqu'il y aura une action qui va quand même faire soulever les gens. Vous fustigez le comportement des supporters, mais sur le terrain aussi, il faut être conséquent. Non, mais il fallait... Sur le terrain, le joueur de l'AS Vita Club n'était pas à la hauteur. Il fallait jouer ces deux rôles. On chante tout en étant observateur sur la qualité de jeu produit par l'AS Vita Club de Kinshasa. Beaucoup vont penser qu'on était contre cette formation, alors que nous disons toujours la vérité par rapport à ce qui se passe au sein de l'AS Vita Club de Kinshasa. Moi, personnellement, je voyais aucun miracle pour Vita Club. Et parce que voilà, c'est simple, il y a une nouvelle équipe, une équipe remaniée, soit refait à 80%, il y a de nouveaux joueurs et lorsque vous voulez avoir des automatismes aussitôt, ça ne peut pas marcher. Certes, le club peut recruter des très bons joueurs, oui, mais pour que ces joueurs-là puissent travailler ensemble, pour que ces joueurs-là puissent séduire le public, ça va pas se passer à deux ou trois mois. Ça va demander beaucoup de temps au courant de la saison. Peut-être on va être séduit de qualité de joueurs de l'AS Vita Club de Kinshasa au mois de janvier ou soit peut-être février, comme on l'a vu la saison dernière aussi avec des gars comme Apataki. Même si ça m'a été venu, mais ces jeunes-là étaient très talentueux. On l'a découvert, mais au début de la saison, par exemple, contre Primeiro, où V-Club était éliminé, on n'avait pas vu ce genre de qualité. D'où ça va demander du temps avec V-Club de pouvoir avoir cette équipe-là revêt, cette équipe-là qui va perdre aucun match au courant de la saison. Mais je pense que juste au début de la saison, comme ça, il faut beaucoup de travail. Vous demandez pour, beaucoup de patience aux supporters. Non, mais c'est logique. On a eu à faire une émission ici où on a vraiment, vraiment conclu que ici en RDC, on ne peut pas être patient. Surtout en ce qui concerne le résultat. Non, mais on doit grandir en termes de maturité, vous savez, lorsque... laissez-moi quand même parler. Allez-y. Patrick va réagir à un moment donné parce que Patrick est assoiffé de prendre la parole, mais il va souffrir un tout petit peu. Vous savez, avec le club, j'ai fait une étude comparative avec le club de nos provinces. Prenons Maniema-Aignan. Prenons par exemple Mazembe. Quand ça semblait ne pas marcher,
Vous allez voir qu'il y avait de la patience côté public. Ils avaient aussi cette confiance-là envers leur comité. Tu vois, avec Maniema Aignan aussi. Maniema des fans à Kindou. Mais Maniema, ça, à un moment donné, ça jouait l'Afrique. Ça rentrait à la maison, ça ne marchait pas. Mais on est resté patient et on a fait confiance au comité. Heureusement que le comité est aussi conscient pour relever le niveau du club. C'est ça aussi le problème avec le fan quinois. Le fan quinois veut voir le miracle s'opérer, comme on dit en latin, ipso facto. Donc immédiatement, alors qu'il faudrait laisser les temps. Parce que déjà, on le sait que V-Club, le comité V-Club et les fans, ils savent bien qu'on avait chassé le joueur la saison dernière. D'où on a recruté de nouveaux joueurs pour que cette équipe-là puisse faire rêver les gens. Pour que cette équipe-là ne puisse pas perdre un match, le moindre match à domicile. Il faut du temps. Allez, donc, je demanderai aux fans de V-Club de grandir en maturité. Parce que voilà, des choses comme ça va arriver au courant de la saison. Mais le miracle qu'on rêve, ça viendra. Ça viendra, grâce à Diakoubama. Patrick Bouiré, grâce, la semaine passée, avait dit un truc qui a un tout petit peu énervé. Pas moi, les téléspectateurs qui ont réagi en masse. Il a traité le recrutement de l'Esvita Club des XXL qui s'est transformé en Pepsi. On va pas faire le positionnement de certaines marques ici, mais on a regardé tous le match, même si c'était en résumé, de l'Esvita Club face à la formation sud-africaine. On a également compris que les niveaux de jeu, le niveau du football produit par cette équipe de football ne pouvait pas rivaliser, ne pouvait pas permettre à l'Esvita Club de s'imposer au niveau continental. C'est un grand désarroi, je l'ai dit, avec beaucoup d'amertume. Ce que j'ai vécu les dimanches derniers pour les deux clubs, c'est vrai qu'on parlera de Lopopo tout à l'heure, mais restons concentrés avec l'Esvita Club. Les projets est mal parti. Les projets Vita Club est mal parti. Je vais prendre mes responsabilités pour les dire. Vous savez, aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Maignan, de la réussite d'Emmanuel Maignan, mais c'est parce que ce projet-là a été travaillé depuis un moment par quelqu'un qui connaît et qui maîtrise bien le football congolais, que ce soit en termes de la Ligue nationale de football ou en compétition africaine. Et actuellement, on voit les résultats produits par la formation de l'Emmanuel Maignan. Mais parlons de Vita Club. Un projet engagé et on choisit tout d'abord un président qui ne maîtrise pas la scène. C'est vrai, les moyens sont là, mais qui ne maîtrise pas vraiment la scène du football congolais, que ce soit en Ligue nationale de football ou aux interclubs de la CAF. Et les combles, c'est que le président arrive, il va choisir Amadou Diaby. C'est quand même un ancien président. C'est un ancien. De la Fédération de Guinée. Il est plus connu sur la scène musicale que sur la scène sportive. Non, ça, Patrick, je l'ai dit. Ouais, ça je l'ai dit. Il fut président de la Fédération guinéenne de football. Vice-président. Je parle du football congolais. Vous parlez de Amadou Diaby. Je parle du football congolais. Le football congolais, c'est autre chose. En Ligue nationale de football, aux interclubs de la CAF, la gestion, c'est autre. On parlait tout à l'heure des supporters, comment gérer tout ça. Ça, c'est un fait nouveau pour lui. Et il va choisir un entraîneur qui ne maîtrise pas non plus la scène du football congolais, que ce soit sur le plan local et sur le plan continental. Et on l'a décrié la saison dernière que c'est quelqu'un, moi personnellement déjà les projets étaient mal partis parce que je ne voyais pas à cet entraîneur-là l'avenir meilleur avec Vita Club, le fond des jeux laissé à désirer. On a sorti toutes les raisons pour dire que non, la qualité des joueurs était déplorable et tout ça la saison dernière. On doit voir les mercato, oui, les mercato Vita Club a recruté. Et selon les dires du président, c'est que ces projets, les recrutements de cette saison a été plus basé par les choix de l'entraîneur et les président a ajouté juste quelques éléments en termes de recrutement. Si on doit considérer que le recrutement a été fait par Abdel Ouadou, on doit se le dire, c'est que le projet était mal parti. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas le football congolais et il a fait n'importe quoi pour nous amener je ne sais pas quel genre de joueur au sein de l'AS Vita Club. Et là, ça a payé cash. Et quand je vois les raisons et les arguments poussés par Ouadou lors de la manche aller de cette compétition, on dit c'est simplement parce que les joueurs sont arrivés en retard. Mais je les rappelle, la formation ou la sélection togolaise nous a battus ici à Kinshasa avec une équipe qui est arrivée. C'est le Gabon. La sélection gabonaise. Avec une équipe qui est arrivée une heure avant la rencontre. Mais ils ont su remporter les matchs devant la République démocratique du Congo. À un certain moment, il ne faut pas cacher ce qui ne marche pas.
Vita Club a joué toute la préparation ici à Kinshasa. On a vu des fiascos, des résultats, même face aux équipes de l'EPFKIN. Et d'ailleurs, avant quelques jours du match aller, il y a eu un 4-1 devant un club brazzavillois ici à Kinshasa. Et tout ça, c'était noir sur blanc que l'équipe n'était pas bien préparée. Il n'y avait pas de la qualité, il n'y avait rien, il n'y avait pas de projet des jeux. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'inquiétait. Comment on peut laisser quelqu'un qui n'a pas de projet des jeux gérer une équipe telle que Vita Club? C'est criant. L'échec est criant. Selon Amadou Diaby, sur le plateau, le beau plateau de nos confrères de Top Congo, Genovic Mboa, Jonathan Massiala, il a dit que c'est le coach Wadou Abdeslam qui a écrit le projet. Avec le projet, ils ont écrit ce projet. Et ils ont présenté ces projets à 1000 vestes. C'est là où je suis en train de regretter. Et voilà, c'est ça. Là où je suis en train de regretter. Nous sommes en train de vivre ces projets. On parlait d'un club qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais là je vois que c'est pratiquement en termes d'organisation, hein, que ce soit sur le plan vestimentaire et tout ça, je vois que le club est en train quand même de se régénérer un tout petit peu. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les projets et l'argent n'est pas bien utilisé, il n'est pas bien canalisé en fait. C'est qu'on a, les peu qu'on a, on peut... Maniema Union a recruté quel joueur de l'extérieur du pays? Je ne pense pas, il n'y a pas eu de joueurs recrutés en dehors du pays. Mais regardez les résultats faits par Papi Kimoto. On l'a dit grâce à Papi. Regardez les résultats réalisés par Papi Kimoto. C'est à saluer. Mais Vita Club nous sort des joueurs. Il y a eu beaucoup, un coût marketing énorme de Vita Club avec des joueurs venus de la France, des joueurs venus partout au Mali et tout ça. Et on nous a raconté, on nous a dit qu'ils sont des très bons joueurs. Mais les résultats sur les terrains, on ne peut pas tromper des connaisseurs que nous sommes. Et ça, c'est ce qui m'inquiète en fait pour la formation de l'AS Vita Club. Et encore un élément pour chuter par rapport à Vita Club, cette cassure en termes de gestion du staff technique de l'AS Vita Club. Aussitôt l'entraîneur principal démissionne, l'entraîneur adjoint qui prend la relève essaye de nous démontrer la différence de la préparation de l'équipe en deux phases. Bon, lors de la rencontre retour, on dit la première période, vous avez vu la préparation avec Wadou, et la seconde période, la préparation avec le coach, l'adjoint, les noms m'échappent, Raoul Choumou. Pourtant, Vita Club a encaissé les buts en seconde période. Si non, on doit considérer la préparation de Choumou, c'est catastrophique. Et en plus, ce qui m'inquiète, c'est que l'équipe était en infériorité. L'équipe sud-africaine joue l'infériorité numérique, c'est que la préparation Choumou est encore plus pire que la préparation Wadou. Et là, c'est un grand dilemme que les dirigeants de Vita Club doivent réparer aussitôt, puisque on ne peut pas commencer la Ligue Nationale de Football avec ce qu'on voit là. C'est du mimétisme, je dois le dire. C'est du mimétisme du football. Merci beaucoup. Je pense bien que pour parler du président de la Vita Club, on aurait peut-être dû faire appel à Divin Zare Exaucé, Tola, qui font la musique. Et je pense bien qu'il a été beaucoup plus bon. Là, il y a du succès. Bon. Hein. La musique, ce n'est pas le football. Hein. Ouais, il a été beaucoup plus bon en tant que manager dans la musique en réunifiant le Wenge, un concert ici. C'est ce qu'il a aussi fait. Hein. Juste après la défaite contre Stanley Bosch, du coup, il y a une sortie médiatique alors qu'il pouvait s'éteindre. Parce que voilà, il a raté cette occasion-là de s'éteindre. Après la défaite contre Stanley Bosch, vous sortez directement en interview et bah voilà. Encore un fiasco. Ça, c'est vraiment. C'est dans le fiasco, parce qu'il n'y a pas que Vita Club qui a fait éteindre la lumière, toute la lumière sur le football congolais ces dimanches-là. C'était aussi le Saint-Éloi Loupopo de Lubumbashi. On a cru à cette formation, on a cru à ces projets. Je ne sais pas si c'est un projet vendu par le président Jacques Yaboula ou s'il y avait une autre personne derrière ce projet, ou même Magasoub à l'entraîneur, je ne crois pas, bien sûr, mais Loupopo s'est fait humilier. Ici, à domicile, on s'attendait peut-être à une élimination, mais pas à une défaite, grâce à Obama. Connaissant l'expérience que régorge cet entraîneur, perdre et se faire éliminer de cette manière-là, devant ce supporter, appuyé même par certains joueurs des Mazembe, puisqu'on aurait vu Philippe Traoré dans les gradins, Magasouba Mohamed, le fiasco de l'année. Ah, tout à fait, hein, c'est logique. C'est logique dans le sens où lorsque vous voyez un entraîneur qui est déjà instructeur de la CAF, c'est un poste pour des entraîneurs qui sont un tout petit, qui se sont retirés de club. Mais moi, je vois Magasouba être instructeur. Il est mort.
Bon, je préfère dire les entraîneurs le qui sont retirés. C'est juste retrait. On ne peut pas cacher une définition qui est simple et normale. Exactement. Donc, il est instructeur, en même temps entraîneur du FC Saint-Eloi-Lupopo. On ne sait pas. Il doit quand même se situer à un moment donné. Parce que en voyant le moyen qu'a Lupopo, en voyant du sérieux que met le comité de Saint-Eloi-Lupopo en 3 saisons, finir comme ça. Et lorsqu'on essaye de remonter la pente en 2023, Lupopo jouait le 8e de finale de la Coupe de la Confédération, c'est-à-dire la saison qui allait venir après, Lupopo devrait à tout prix jouer le quart de finale et cette saison viser le demi, soit la finale. Et du coup, on ne fait que régresser du côté de Saint-Eloi-Lupopo. Il y a de moyens, il y a du sérieux, il y a une très bonne façon de communiquer à un moment donné côté Lupopo, mais sur les terrains, surtout cette saison, je sais qu'après moi, Patrick va prendre la parole. Moi, j'étais ici la semaine passée, je lui disais que si le malheur arrive à Lupopo, c'est l'entraîneur Magasuba, parce que c'est lui qui n'arrive pas à bien analyser, à bien cerner le problème de Saint-Eloi-Lupopo. On parlait aussi du secrétaire de Lupopo qui est en train de manigasser des transferts qui n'entrent pas dans la philosophie de l'entraîneur parfois. Là, on peut dire que le président s'est fait à un moment donné rouler par... Est-ce que le président est proche du comité du football comme de général? Non, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème avec le Congolais que nous sommes, c'est le suivi. Lorsque vous donnez l'argent pour quelque chose, vous vous arrêtez là. Non, il fait confiance à son secrétaire. Non, mais lorsque vous faites confiance et il y a des résultats comme ça, est-ce que... Vous dites rien, étant président du club, vous devrez quand même suivre ça de près, parce que ce n'est pas que on doit acheter à chaque fois. Lupopo, le noyau que Lupopo avait la saison dernière, moi je pense que Lupopo allait faire des bonnes choses cette saison. Mais du coup, il y a des joueurs qui étaient arrivés à terme de leur contrat, que Lupopo n'a même pas pensé à leur prolonger. Les Junior Baiano sont partis, des Valentin Ouma sont partis. On ne s'est pas reproché de ça. Valentin Ouma, je pense que c'est un latéral gauche. Il y a Diébeni Ndongala qui est parti. Bon, certes qu'ils sont en combat jusque-là avec Mazembe, mais moi je pense qu'au finish, Mazembe finira par remporter cette bataille administrative avec Lupopo. Mais déjà perdre un Diébeni Ndongala qui vous a fait... toute une saison, il était vraiment très performant ce joueur. Et il est parti chez Mazembe, remplacé par Luzon Sefou qui jusqu'à là boitille un tout petit peu. Et le comble que c'est Massini Dimboa, un milieu de terrain, qui vous fait ce poste de latéral. Quand même Sefou, Luzon. Vous imaginez, ça c'est la magie de Magasuba. Donc le plus grand problème avec Lupopo, c'est d'abord au niveau du président. Lui, quand il met le moyen au sein de l'équipe, il doit quand même suivre ça de près. Et surtout le choix aussi de l'entraîneur. Je ne sais pas, est-ce que Lupopo a le arriéré de Magasuba Il faut parler de tout un staff. Non mais il n'est pas seul. C'est lui qui dirige le staff bien technique. Sûr. Quand on va tirer sur le staff technique, on va commencer par l'entraîneur principal. Il écoute aussi ses adjoints. Non mais les adjoints et autres. Moi je pense que les responsabilités sont départagées. Le dernier mot revient à Magasuba étant entraîneur principal du FC Saint-Eloi-Lupopo. Quand on a vu Lupopo déjà être éliminé la saison dernière à l'étape de 16e de finale, moi je pense que quand Lupopo a retrouvé l'Afrique à la fin de la saison, de quelle manière Lupopo s'est fait peur par les aigles du Congo. Et du coup, il fallait faire de bonnes analyses du côté au niveau du comité pour le remercier. Ça aurait été logique de voir les aigles du Congo. C'était qui l'entraîneur blanc qui était chez Lupopo? Lui qui les a donné la qualification pour faire le 8e de finale l'année d'avant. Le blanc qui était avec le nom m'a échappé. Lui qui était l'entraîneur de Youssouf Moulumbu. Ce monsieur a fait un bon travail, a fait un bon taf avec Lupopo. Mais de quelle manière il a été remercié? Juste à la fin de la saison. Mais il a qualifié Lupopo pour les interclubs de la CAF. Mais du coup, à la fin de la saison, on l'a remercié et il est parti. Pourquoi pas le faire avec Magasuba?
Pourquoi pas le faire? Loupopo était en bonne posture pour jouer le quart de finale. On le sait tous. Mais de quelle manière Loupopo a géré ses derniers matchs, la saison d'avant et la saison dernière aussi? Donc, moi, je pense que c'est le moment de dire la vérité du côté de Loupopo à cet entraîneur qui doit aller se concentrer dans son métier d'instructeur. Moi, je pense qu'il est mieux. Il est mieux en étant instructeur. Il est mieux au niveau de la théorie qu'au niveau de la pratique. Parce que quand il est instructeur, il donne de la matière aux jeunes et les jeunes vont aller au niveau du marché et après transmettre ses savoirs aux jeunes. Mais merci, je pense pas qu'il doit quand même demeurer entraîneur de Sainte-Eulalie-Loupopo à la Lirou. On voit les ambitions du club, même les ambitions du président du club. Il a réhabilité quand même le stade, hein, le stade Kibasa Mali. Il a mis beaucoup de moyens. Mais c'est quand même une façon de le remercier, une façon quand même de l'encourager. C'est une qualification de Loupopo. Mais avec des entraîneurs comme ça, avec un comité aussi, il y a d'autres personnes qui essayent de rouler un tout petit peu le président. Je ne pense pas que ce club-là va avancer. Vous ne pensez pas que le club va avancer? Magasouba a remplacé le français Christian Bracconi. Exactement. C'est le nom qui nous a échappé. Au regard de la situation que traverse actuellement le Sainte-Eulalie-Loupopo de Lubumbashi, c'est un club sur qui nous avons compté. On a vu Mazembe performer pendant plusieurs années. On a vu le club performer pendant plusieurs années. Ben, on a vu Loupopo revenir en force. On voit également les Aigles du Congo qui revient. Mani Maignan aujourd'hui. On se disait avec des clubs comme ça, si on en a 10, on aura un championnat relevé. Mais du coup, on sent un relâchement chez Mazembe. Plutôt, excusez-moi, on va revenir chez Mazembe. Chez Loupopo, qu'est-ce qui ne va pas? Loupopo s'est fait éliminer de manière insultante dans son arène à Lubumbashi, devant ses supporters. Humiliant. Je vais revenir à la question, mais j'en profite pour enrichir la question que vous avez posée à Grâce. Si la dernière décision revient à Mohamed Magasouba, on l'a dit, si vous êtes intelligent, on vous souffle des mauvaises réponses, vous n'allez pas l'accepter. Et le comble, c'est que lorsqu'on vous souffle une réponse, que vous l'acceptez, on se pose des questions. Vous l'êtes intelligent ou pas? Là, c'est aux gens d'analyser. Et si on doit entrer dans le vif du sujet concernant les FC Sainte-Eulalie-Loupopo, je suis inquiet. Pourquoi? Premièrement, parce que la saison dernière, Loupopo a fait quand même des très très belles rencontres en Zambie, en Dola, au stade Lévi Mwanawasa. Pourtant, cette saison à domicile, face à ses nombreux supporters. Dans la saison dernière, qui ont, c'était ici à Kinshasa. Sûr, c'était à Andola, au stade Lévi Mwanawasa. Ils ont fini la phase des groupes Andola et puis ils ont... Non, ils ont là fait... c'est la saison d'avant. Non. La saison d'avant, il n'y avait aucun stade homologué en RDC. Même des clubs joués à Brazzaville, Saint-Pé en Angola, même ici à Kinshasa, Mazembe. Non, des clubs joués au Congo Brazza. Là, la phase des groupes. Ouais, la saison passée, des clubs a joué à Kinshasa face à Primeiro, s'est fait éliminer. Et Loupopo s'est fait éliminer aussi ici. C'était Andola, si je ne me trompe pas. Non, mais c'était ici à Kinshasa. Vous trompez. Allez-y. Mais de toutes les façons, Loupopo était loin de ses supporters. On voyait quand même des très bons résultats. Et cette saison, Loupopo a joué au stade Kibasa. Avec, je ne sais pas si c'est la pression du public qui a causé également l'élimination de cette formation, mais je ne pense pas. Je vais revenir par rapport à la préparation. Je l'ai dit avec la formation des Vita Club. J'ai fait un tour au stade Tata Raphaël lors du mini championnat organisé par la Fédération Congolaise de Football ici à Kinshasa où Loupopo a pris part. J'étais stupéfait. J'étais vraiment estomaqué de voir la préparation de cette formation de Loupopo avec l'ossature de joueurs, hein, avec des gabarits plus que l'entraîneur. J'étais en train de me poser cette question. Joueurs au Miné Nebouye plus que l'entraîneur, est-ce qu'ils vont bien jouer? Et c'est la question en fait. J'ai eu la réponse avec cette élimination parce que ce jour-là, j'étais en train de voir la rencontre Renaissance du Congo, Loupopo, mais Renaissance a malmené d'une manière incroyable la formation de Loupopo, une formation qui doit jouer les interclubs de la CAF. Et on va me dire que c'est simplement parce qu'on avait tourné l'effectif, mais quand vous préparez une équipe qui doit jouer les interclubs de la CAF, et les titulaires et les remplaçants doivent avoir une bonne qualité pour exactement faire vraiment un groupe prêt, capable d'aller jouer cette compétition à fond. Mais moi, ce que j'ai vu ce jour-là devant Renaissance, j'étais très inquiet. Je suis sorti inquiet. Je me suis dit, est-ce vraiment le travail que les staffs a réalisé pour recruter des joueurs? On ne parle que de Valentin Douma, mais il y a encore un autre latéral le congolais qui est parti du côté de la Tanzanie, très talentueux comme ça. Bukayo Saka.
Isaka. Vous avez quand même des joueurs comme ça, Boka Isaka, qui sont partis, mais les clubs n'arrivent pas. Les clubs n'arrivent pas à recruter. Et on recrute dans des postes qui ne sont pas clés. Vous avez un gardien tel que Simon Omoso là. Vous n'arrivez pas à prolonger. D'ailleurs, on dit que son contrat va finir dans 2 mois. Et vous rajoutez encore 2 autres très très bons gardiens au moment où il y a des postes à renforcer tels que au niveau de l'attaque. Des bons gardiens, pas des très bons gardiens. Il y a Mabrouki qui a encaissé 3 buts. Des bons gardiens. Et Zaskababa encore. Qui a l'équipe nationale mais qu'on préfère mettre sur le banc. Voilà, et tout ça. Mais il y a des postes clés qu'il faut rajeunir. On n'arrive pas. Et surtout le choix de Mabrouki. La gestion de cette équipe, où est parti Orso Mwaku? Qu'est-ce qu'il a fait? Il fait quoi pour ne pas jouer dans des rencontres comme ça? Non, mais ils disent qu'il a raté pas mal d'occasions lors du match aller en Angola. Ouais. Et du coup, au match retour, il devrait commencer dans le banc. Et du coup, il a été remplacé par celui qui a marqué sur penalty, Obasi. C'est un nouveau joueur. Il vient de Congo-Brazza, je pense, Léopard de Dolisie. Et l'entraîneur avait jugé bon qu'il reste sur le banc. Alors qu'il pouvait être là parce que c'est un joueur qui s'est créé des occasions. Un joueur cadré pour l'équipe. Raté de but. C'est normal. Raté. Pour une rencontre, on peut comprendre. Il s'est produit deux occasions. Un joueur peut peut-être ne pas être dans son jour, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît l'environnement du FC Saint-Laurent-le-Popo depuis un moment. Il a fait des bonnes choses du côté de son club de provenance à Tchinkunku. Il est arrivé à Lupopo, il a encore fait des merveilles. Et moi, je n'ai pas compris. En tout cas, je suis en train de décrier la gestion de la formation de Lupopo, que ce soit sur le plan staff technique ou sur le plan gestion management, avec notamment, on parlait du secrétaire du club, puisque les recrutements du FC Saint-Laurent-le-Popo mais laisse un goût très très amer cette saison. En tout cas, il y avait des postes clés à renforcer que Lupopo n'a pas fait. Et je pense qu'avant la Ligue nationale de football, je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de la Ligue nationale va non, mais ils ont beaucoup de joueurs. Je suis en train de me poser des questions. Ils ont beaucoup de joueurs. Est-ce que le week-end prochain, est-ce qu'ils auront encore la chance de recruter des joueurs? Parce que avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu, 33 joueurs, avoir plus de 33 joueurs et avoir de la qualité, c'est des choses. C'est deux choses différentes. On parle de la qualité. Puisque moi, ce que j'ai vu au stade de Tata Raphaël ces jours-là, en tout cas, c'est loin. C'est loin d'être une équipe compétitive qui doit défendre l'image de la province du Haut-Katanga et de la République démocratique du Congo en général. Avec le club Saint-Laurent-le-Popo, les deux formations ont été débarquées de la Coupe de la Confédération. Et voilà, la RDC ne va compter que sur 2 autres formations. Maniema Union, qui, dans les conditions les plus difficiles, et surtout, c'était compliqué pour cette formation, a réussi à arracher la qualification dans le stade même de Petro de Luanda. Inconcevable pour les Angolais, mais Papi Kimoto et ses hommes ont réussi cet exploit en Angola, à Luanda, et aussi à Lubumbashi. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, qui était déjà parti favori, a réussi à se qualifier pour la phase de groupe, mais on se pose la question, une très 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 grande question, avec quel effectif Mazembe devra batailler pour cette saison, alors que la FIFA a maintenu sa sanction de ne pas recruter, même si Mazembe a présenté ses joueurs au stade de Kamalondo, ces joueurs ne seront pas utilisés avant 2025. Décision, on connaît la décision de Moïse Katumbi, c'est de libérer ses joueurs, pas pour ne plus revenir chez Mazembe, pour aller jouer dans Don Bosco, ou peut-être c'est quoi faire avec ses joueurs, mais question pour eux d'avoir le temps de revenir plus tard chez le tout-puissant Mazembe. On va parler comme ça de grands joueurs qui aimeraient peut-être participer aux éliminatoires du Tchad, jouer leur chance pour participer peut-être au championnat d'Afrique des Nations, Obed Mayamba, le militaire Nkikasa, des jeunes joueurs comme Faveur Di Bongeli, qui a même été privé de sa sélection à l'équipe nationale U20 parce que le joueur devrait jouer les interclubs de la CAF et la Lina Foot. Il a été privé de cette sélection pour rester à ne pas jouer à l'équipe nationale. Ça devient inquiétant pour Mazembe. On va dire que c'est devenu un réel cimetière pour le football congolais, pour le footballeur congolais. Ah, moi, je dirais pas ainsi. Hein. Je pense que Mazembe étant d'abord un grand club, il faudrait d'abord commencer par féliciter Mazembe pour cette qualification au niveau de 8e de finale de la Ligue des Champions. Avec un groupe aussi genre, que Lamine Ondiaye a essayé de gérer
pour cette double confrontation. Qu'il a très bien préparé, en tout cas. Ouais, qu'il a très bien préparé. Il a géré surtout cet effectif juste parce qu'on ne pouvait pas récupérer, soit enregistrer le nouveau joueur parce que Mazembe, voilà, court sous sanction de la FIFA et sera autorisé à enregistrer le joueur l'an prochain. Et Mazembe, quand même, l'a fait avec ce groupe-là, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie. Et Mazembe l'a fait. Maintenant, pour le nouveau joueur qui a intégré Mazembe, s'il faudrait dire que Mazembe, c'est un cimetière pour le joueur congolais, moi, je dirais, par exemple, non, pour cette saison, parce que déjà, quand ils sont venus, je pense que le club leur avait informé de la situation. Ils ont accepté d'être chez Mazembe, ils doivent s'y porter. Et c'est tout à fait logique. Là où le bas blesse un tout petit peu est que le cas de Faverdi Boungeli, ce jeune qui a été recruté fraîchement du centre de formation Bélor, privé de ce tournoi de l'UNIFAC, alors qu'on lui avait envoyé l'invitation du côté de la FECOFA. Pourquoi l'interdire alors que, voilà, même le billet, pourquoi l'interdire alors que déjà ce gars-là n'allait pas jouer, il n'a pas effectué les déplacements pour la Zambie. Il n'était pas sur la feuille de match pour le match retour. Et du coup, il fallait le laisser cette opportunité de d'aller pouvoir représenter montrer le pays, ouais, ce qualité en équipe nationale et devant le sélectionneur national Sébastien Desabre qui était au stade le jour de la rencontre face au Diable Congo, Rouge, ouais, du Congo Brazza. Il était là, il pouvait être séduit quand même de voilà qualité. Pourquoi je pose la question de savoir si c'est un réel cimetière, parce que là c'est tuer un terrain, mais, ouais, c'est tuer les opportunités d'un jeune joueur. Non, ça c'est ce n'est pas quand même normal dans la façon de faire côté comité à Moïse Katumbi, alors que ce gars doit évoluer chez Mazembe. On a vu de gars comme Oscar Kawit aujourd'hui, c'est l'une de pièces maîtresses de l'attaque de Mazembe. Pourquoi pas aussi ces jeunes, quand il a l'opportunité d'aller au niveau de l'équipe nationale, faut les laisser partir. Et pour d'autres qui ont accepté celui qui vient de l'Angola, Obed Mayamba, vous avez Kikasa Merveille et autres joueurs qui ont été achetés par Mazembe, je pense qu'ils savaient que Mazembe ne peut pas les enregistrer du coup au début de la compétition, et ils doivent quand même être qualifiés après. C'est ça peut-être le problème. Si Mazembe leur avait informé ou pas, on ne sait pas. Mais quand ils sont là, ils connaissent aussi la réalité de Mazembe. Mais moi, ce qui m'a fait très mal, c'est la façon dont on a géré cette histoire avec ce jeune qu'on a à peine recruté, Faverdi Boungeli, qui pouvait vraiment aider l'équipe nationale à aller chercher cette qualification-là au niveau de ce tournoi UNIFAC, parce qu'on le sait tous que la RDC n'a participé qu'une fois dans la phase finale, hein, de la CAN U20, c'était en 2013, et ces gars-là allaient être quand même une valeur ajoutée dans l'effectif de Guy Boukassa. Guy Boukassa aussi, lui qui tergiverse un tout petit peu avec la sélection U20. Donc, je pense que. On va pas entrer dans ces débats. Ouais, on n'entre pas là-bas, mais on reste chez Mazembe. Je pense que ce n'est pas vraiment une bonne manière de refuser à ces jeunes joueurs en l'équipe nationale. Et pour d'autres, ils étaient peut-être informés par Mazembe, raison pour laquelle ils vont subir. Hein, cette réalité que retrouve Mazembe en ces nets moments. Cette difficulté qui est en train de contraindre certains joueurs d'aller jouer chez Don Bosco, peut-être un avenir qu'ils n'ont pas rêvé, mais bon, ils se rencontrent à aller là-bas. Mazembe met en difficulté d'ailleurs une bonne marche pour la saison, parce que ces joueurs-là, il faudrait qu'ils puissent s'imprégner de la philosophie de l'entraîneur, rester avec l'équipe pour pouvoir constituer ce bloc-là, aller chez Don Bosco pour revenir au mois de janvier ou bon, au mois de février, pour ne jouer que la deuxième phase de la Ligue des Champions, si possible, la phase retour, la phase de play-off. Est-ce que cela peut aider? Est-ce que Mazembe, surtout si on va revenir sur les cas de Faverdi Boungeli, ces jeunes qui pouvaient représenter, peut-être c'était lui l'espoir des entraîneurs du staff de Léopard U20, mais pourquoi retenir un joueur alors que vous saviez que vous n'allez pas l'utiliser? Moi, ce qui m'inquiète en fait par rapport à la gestion de la formation du tout-puissant Mazembe, c'est pas parce que le club a beaucoup de moyens qu'on doit faire n'importe quoi en termes de recrutement. Parce qu'il y a une sorte de promiscuité des talents qui s'est fait du côté de la formation du tout-puissant Mazembe.
Mazembe. On arrive à beaucoup acheter et puis par après, on aura du mal en termes de gestion, en termes de la manière dont on doit libérer les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, si Mazembe se retrouve dans ce genre de situations, c'est aussi la gestion. On doit commencer par les débuts. C'est la gestion du cas Narcisse Land, le gardien camerounais, qui a apporté l'affaire devant la Fédération internationale du football, où Mazembe aujourd'hui se retrouve dans des difficultés. On arrive à acheter beaucoup de joueurs dans des postes pour ne pas les utiliser. Et puis par après, on va chercher comment à libérer ces joueurs-là sans suivre la procédure normale, la procédure demandée par la Fédération internationale de football. Vous achetez un joueur, vous voyez que vous n'avez plus besoin de lui, alors libérez-le de la manière dont les choses s'effectuent, de la plus belle manière. Mais vous achetez beaucoup de joueurs et pour les libérer, ça devient un sérieux problème. Et aujourd'hui, Mazembe n'est pas en train de voir qu'ils sont en train de gâcher la réputation du club, surtout pour les joueurs congolais. On l'a toujours dit, il y a certains joueurs congolais qui refuse de signer au sein du Tout-Puissant Mazembe pour cette situation-là. Et ils sont en train d'encore de s'enfoncer de plus en plus cette saison avec des cas, par exemple, vous avez dit Faverdi à Bongeli, sur le plan administratif. Lorsque vous n'avez pas de possibilité de recruter un joueur, il faut utiliser des stratégies. Ça, on doit se les dire. Il faut utiliser des stratégies. La FIFA a toujours autorisé les jeunes issus du centre de formation, de la réserve du club, pour jouer avec l'équipe première sans problème. Fallait... Ils ne sont pas de l'équipe réserve. Oui, bien sûr, mais en termes sur les plan administratif, fallait savoir contourner la situation pour permettre à ces joueurs-là d'évoluer. Ils sont jeunes, ils n'ont pas encore joué avec aucun club de la Ligue nationale de football. Tout à fait. Il fallait chercher comment contourner la décision sur les plans administratifs. Je ne comprends surtout pas permettre... le cas d'un joueur aussi, puisque vous parlez d'un joueur de centre de formation. Oui, bien sûr. Il y a Clefis Konga qui a signé depuis l'année passée avec Mazembe, qui a été prêté chez Don Bosco. Bien sûr. Mais pourquoi le cas de ces joueurs, pourquoi il va retourner chez Don Bosco? Normalement, lui doit rester. En réalité, pour contourner cette décision, faudra permettre aux joueurs de signer avec l'équipe réserve. Parce qu'avec l'équipe réserve, il a la possibilité de jouer avec la formation du Tout-Puissant Mazembe, que ce soit en Ligue des Champions ou avec les championnats. C'est comme ça que les règlements c'est fait, que ce soit pour les clubs tels que le Barça et tout ça. Au monde, c'est comme ça que la FIFA fait les choses. Lorsqu'on s'est dit être dirigeant d'un grand club comme ça, il faut savoir contourner des décisions de cette façon. Et on n'achète pas un joueur pour acheter, on doit voir c'est quoi la réalité qui se présente devant nous, comment contourner cette réalité-là. Et je dis... que la formation du Tout-Puissant Mazembe Anglebert souffre aussi à un certain moment. On salue ce que fait Frédéric Tengeki Nkumba, mais à un certain moment, il y a des décisions qu'ils arrivent à prendre qui laissent la formation du TP Mazembe en grande difficulté et surtout ces décisions qui arrivent à ternir l'image du club, surtout sur le plan local, parce que Mazembe avait la possibilité de prendre beaucoup de talents. Je pense à Inonga Baka, je pense à Elim Ponzu, je pense à celui qui joue actuellement chez Vita Club qui était parti en dehors du pays, Ikangalombo. Mm-hmm. Jonathan Ikangalombo qui a été sollicité depuis plusieurs années pour jouer à Mazembe. Mais si ces joueurs-là n'ont pas voulu partir à Mazembe, c'est entre autres cette façon de gérer les faits. J'ai parlé des promiscuités. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de talents. C'est compressé en fait. Ils n'arrivent pas à se retrouver. Ils se retrouvent avec beaucoup plus de... La saison dernière, j'ai compté, c'était plus de 45 joueurs pour l'effectif du Tout-Puissant Mazembe. Mais dites-moi comment vous allez utiliser tous ces joueurs-là. Et ça oblige les clubs à libérer certains pour laisser de la place aux autres. Et c'est là où les clubs perdent beaucoup parce qu'on libère peut-être sans respecter les règlements de la FIFA. Et aujourd'hui, on a vu Mazembe jouer. Surtout le match retour, je suis resté avec un goût amer. Sur le banc de touche, il n'y avait personne qui pouvait apporter de l'énergie pour pousser Mazembe à aller finir le travail en toute beauté. Et je me dis que si Mazembe joue avec cet effectif-là, ils vont rencontrer des problèmes, que ce soit en Ligue des Champions, parce que là, ils vont retrouver des clubs plus aguerris que la formation des Red Arrows de la Zambie. Et surtout en Ligue nationale de football, vous avez Maniema Union qui a montré un visage très séduisant. Loupopo qui va chercher à corriger les tirs. Vita Club, les Aigles du Congo. Toutes ces équipes-là vont remonter en puissance. Et Mazembe, avec cette pauvreté en termes d'effectifs, je dirais ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal côté Mazembe qui a libéré pratiquement aussi de cadre, je l'ai dit bien tantôt. Sûr, bien sûr. Joël Béa, son défenseur. Claudie Likonza, Kevin Mondeko, Philippe Kinzumbi. Voilà, et tout ça. Philippe Kinzumbi, on annoncerait à son retour. Partira ou partira pas. C'est une fausse information. Mais il n'a pas encore joué là-bas. Il n'a jamais voulu. Le club a amorcé les demandes.
démarches au niveau de la FIFA pour avoir, même démarche avec Ben Malango pour le Raja de Casablanca, pour avoir un enregistrement provisoire, le temps pour les deux formations s'est confronté au niveau de la FIFA, au moment où la FIFA va trancher, c'est à ces moments-là qu'on va connaître le sort de Philippe Nzumbi, mais c'est déjà... Il aura une licence une provisoire. Perdue pour Mazembe, ouais, c'est déjà... En mais tout cas, mais Raja a eu des problèmes avec Mazembe en justice, ils ont payé des amendes. Pour le cas Ben Malango, mais bien sûr, je suis inquiet. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'on parle le montant payé par Ben Malango est, je dirais, 5 fois moins ou moins 10 fois moins que montant proposé pour le transfert par Raja de Casablanca. Il est vrai c'est qu'on fustige ce que fait Mazembe, mais à un certain moment, c'est un club congolais. Lorsque ses intérêts sont mis en jeu, on doit quand même dire un petit on mot. On ne refuse pas. Ça doit aussi garantir les intérêts des joueurs. Oui, bien sûr. Mais à un certain moment, on doit les dire, pourquoi est-ce que le club du Maghreb n'arrive pas à venir solliciter d'une manière normale un joueur chez Mazembe? Mais est parti comme ça. Oui, mais parce qu'ils sont venus... solliciter. Pourquoi pour les autres ils doivent passer par des chemins pour contourner? C'est ça mon inquiétude. Est-ce que Mazembe pouvait peut partir acheter un joueur au niveau du Maghreb de cette façon là? Est-ce que la fédération marocaine va permettre, va faciliter Mazembe la tâche à acheter un joueur d'une manière mafieuse, si vous voulez? Mazembe ne se prêtera pas à cet exercice-là, grâce à Diakou Bama. Il nous reste peu de temps pour chuter avec notre émission. Vous allez souffrir de réagir en une minute chacun. Quand même, placer un mot sur cet exploit. On s'attendait le moins de Mané Maignan. On doit quand même dire, c'est avec vous que nous avons fait l'émission sur le meilleur entraîneur. Bien sûr. Papi Kimoto a confirmé son statut de meilleur entraîneur. Exactement. Papi Kimoto nous a prouvé que c'est un homme qui est capable à écrire l'histoire. Et on l'avait dit, Papi Kimoto, c'est parmi les entraîneurs qui congolais aujourd'hui qui font la fierté de notre pays. Et voilà. Et ça s'est fait voir sur le terrain avec Mané Maignan cette saison au niveau de la Ligue des Champions. Déjà, un moment, ça a commencé à petit feu avec Nguesi, hein, Platinum, je pense que c'est cette formation du Zimbabwe, où Mané Maignan n'a pas marqué, Mané Maignan s'est qualifié. Et contre Petro, l'équipe a grandi en termes de maturité et on a senti cette petite expérience des hommes de Papi Kimoutou. À Kinshasa, Maniema était le premier à marquer et après Maniema à être surprendre, Maniema a encore marqué pour la seconde fois. Partie, hein. Voilà, pour la seconde fois et après gagner cette rencontre. Et le plus dur, c'était à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il fallait être solide défensivement. Et Mané Maignan l'a fait, limiter les dégâts, Mané Maignan l'a fait, inquiéter à un moment donné, si vous pouvez le faire à l'extérieur, Mané Maignan l'a encore réalisé à Luanda. En tout cas, on peut dire félicitations à Papi Kimoto pour cette énorme performance à l'extérieur. Et surtout, bravo au comité de Mané Maignan qui essaye de mettre du sérieux. Et surtout, il y a du professionnalisme dans le travail. Et dans le football, il y a pas de miracle. Mané Maignan confirme son statut de la saison dernière en étant vice-champion de notre championnat. Le vice-champion qui défend en tout cas son statut avec brio au niveau continental. On ne trompe jamais l'histoire. Papi Kimoto entre dans l'histoire de l'AS Mané Maignan. Pour la première fois, cette formation se qualifie pour l'étape des phases des groupes. Mm-hmm. Ça, c'est de l'histoire parce qu'on va parler de lui pour la suite de ces clubs. Et je suis en train de voir cet entraîneur qui est en train de suivre presque les pas de Florent Ibengué. Il est arrivé. C'est quelqu'un qui est un visionnaire. Il s'est acheté un joueur qui correspond à son projet de jeu. On parle de ses résultats aux interclubs de la CAF, mais je vous rappelle, il a commencé à surprendre tout le monde déjà la saison dernière, battre Mazembe à domicile du côté des Kindu. C'était presque le seul à avoir battu Mazembe la saison dernière. Il a battu vite un club en aller et retour, que ce soit à Kinshasa ou à Kindu. Face à la formation de Loupopo, c'était aussi pareil. Loupopo a eu du mal à se défaire de cette formation-là. Et cette saison aux interclubs de la CAF, il est en train de partir encore
en puissance. Et moi, personnellement, je me dis que j'avais raison de les donner 3 sur 5 lors de l'émission qu'on a eu à côté les coachs congolais. Parce que là, ce qu'il a fait mérite vraiment qu'il soit applaudi. Et surtout le seul et l'unique entraîneur du FC Renaissance du Congo à avoir battu les Darren Club. Il fallait revenir sur ça. C'est quelqu'un de l'histoire. Et avec les Léopards d'âme, il les a permis quand même à se qualifier pour la phase finale de la CAN qui se tiendra l'année prochaine. Ouais, parmi les rares anciens Léopards à vraiment réaliser ses métiers avec la perfection, ça je l'ai dit. J'ai toujours été inquiet pour me dire, mais pourquoi est-ce que les anciens Léopards n'arrivent pas à devenir des grands managers, des grands entraîneurs du football? Et Papi Kimoto est le seul jusque-là qui est en train de me montrer que j'avais peut-être tort à généraliser le tout. J'ai assisté à une conversation téléphonique avant la rencontre aller, Petro Maniema-Ignon, entre un dirigeant du football et le coach Papi Kimoto. Il a dit quelque chose que j'ai retenu. Il a dit, président, on a un roi boxeur. Boxeur à Banga Alikofite. Donc on va aller au combat. Et on va se donner des coups, c'est lui qui va gagner. Lui ne demande pas au club d'aller s'inscrire à la Coupe du Congo pour se qualifier aux Intercoupes. Merci beaucoup, madame, messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons eu 2 semaines où nous avons parlé, en tout cas, des Interclubs de la CAF, de nos représentants au niveau de la CAF. On aura le temps d'en parler aussi lors de phases de groupe. Le sélectionneur de l'équipe nationale a publié aussi une liste sans Yohan Wissa blessé, sans également Mukau blessé. Les deux joueurs ont été remplacés par William Balikwisha et Katompa Silas qui signent son retour au niveau de l'équipe nationale de la RDC. On aura le temps de parler de cette double confrontation RDC-Tanzanie 10 et 15 octobre prochain. Madame, messieurs, c'est sur cette note que nous nous disons au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.